Merci le bon et Gadolfera et Sensei Isoka et Irael B et Canard VHS. Merci beaucoup pour les abonnements. C'est vraiment ridicule le perso, je trouve. Dès que t'as des items. Je pense que c'est Yaman, ouais. Okay, je vais prendre ça. Eclipse Shujin Sterak. Après ça, c'était l'augmentation de la range qui était broken sur l'ancienne létale. En vrai, c'était tout. Elle donnait 3 fois plus d'attack speed, t'allais beaucoup plus vite d'un palier à un autre, l'augmentation de range était terrifiante. Et vu qu'en général, un perso qui prenait létale, c'était un perso qui allait acheter beaucoup d'attack speed, bah le fait qu'à max stack, tu retires le cap d'attack speed qui est de 2,5, c'était monstrueux aussi. Genre avec l'ancienne létale, si je faisais un stuff un peu attack speed avec un Trinda, genre il y a une compo avec beaucoup d'AP, du coup j'ai glissé un bout du rouleau, ce genre de truc. Late game, je pouvais avoir 3 attaques par seconde, en plus de la range augmentée. Et en plus de jouer une maîtrise qui est bien dès le niveau 1. En réalité, qui, comme son nom l'indique, me rendait létal dès le niveau 1. Je peux solo start, hein, celui-là. Ouais, c'est vrai que le pool, c'est un peu démodé. Hein. Ça pool encore, même, dans ce jeu? Non. Je crois que ça pool pas. Quasi hein. Jamais. Pool, c'est fini. Sauf sur les swap lanes. petit salopard. Les gars, premier degré, Timo, c'est broken en ce moment, non? Mon jungle, ouais. Je trouve le perso au premier degré trop crade. En jungle, c'est vraiment malaisant, je trouve. Ouais, jungle, tu joues Star Max ou pas? Non, du tout. J'aime pas. c'est un peu trop sale pour moi. Oh bordel de merde, excusez-moi, je vais beaucoup tousser. T'inquiète, hein. Putain de merde, j'ai complètement chié le clear. J'ai fait reset le truc. Allez. Bon, mec, en face, le mid a l'air un peu sus. J'ai du petit miel de côté pour m'adoucir la gorge, faudrait que j'en prenne. Quelle petite merde malaisante. Il a pas son blind. Je pense pas que le Shyvana puisse me gank. Top. Non, non, moi, moi. Ah. Je joue aggro. Je suis ward là. Bon, j'arrive à tenir niveau CS, mais putain. Je passe pas un super moment. En vrai, ça a rendu trop populaire cette petite merde, son buff là. Trop chiant. Au flash mid. Ah, je l'avais pas vu. Elle a réussi à passer à travers ma vision. Je crois pas qu'on l'avait vu, botside. Je suis peut-être fou, mais. Par le bush, I guess. Ouais, bizarre. Oh, je pense que la ward était pas ouf anyway. Je comprends rien à ce que je fais, j'adore. Ouais, je l'avais pas vu, qu'est-ce qui branle Marcus. Ah ouais, va pas crash. Allez, hop, elle a nos flash là, Shiv. Par contre, elle va m'empêcher de crash. Je pense pas, hein. Elle a pas de flash, tu peux te chill. Ouais, si elle revient. Aïe aïe aïe. Je suis peut-être mort, ouais. Ok, c'est bon, j'ai plus crash.
Bon, j'ai un super premier bac et j'ai pu crash la lane malgré tout. Bon, pas aussi vite que prévu, mais j'ai pu la crash. On est reparti. Et du coup, bah j'imagine que oui, mais Vel'Koz il est fixe. Ouais. Ouais, non, sinon je joue pas, sinon je vais pas champion. Ouais, normal. Le truc est. Et du coup, ça va? C'est devenu pas mal là, non? Ouais, je pense que c'est fort. Bah, je teste un peu parce que hier j'ai fait une game, j'étais autofill et j'étais avec Tiger, The Tiger et tout. Enfin, la game, j'ai rush-kit lol. Attends, c'est pas un OTP Wukong à l'ancienne lui? Ah, si, si. Wukong Ignite full l'état. Ouais. Mid lane. Je savais pas qu'il existait encore et qu'il faisait encore ça. Je crois qu'il a repris ce split. Ou split d'avant, je sais plus, je crois que je l'avais croisé split d'avant. Je peux monter top là. Vas-y, il a plus de flash. Il va vouloir me casser les couilles parce qu'il veut me deny sur la wave. Voilà. On putain. Perd beaucoup de creep, mais c'est worse. Tiens, vas-y, je te le laisse. Merci. En vrai, ça va. J'ai quand même eu le canon, un creep, je peux récupérer une grosse partie de la wave. Bon, moi je perds rien du tout. T'aurais pu prendre le kill si tu voulais. Pardon quoi? Je pense que t'aurais pu prendre le kill, j'ai vraiment rien perdu au mid, j'ai eu toute la wave. Ouais, mais de toute manière, je suis Trinidad dans un match-up Simo, je peux pas carry la game. Alors que toi, tu peux vraiment nous débarrasser des Kog'Maw, Teemo, etc. Par contre, les gars, n'hésitez pas à me parler fort. Hein. J'ai un nerf d'audition là. Okay. Mes tympans, mes muqueuses, tout est nerf. On peut collapse Shiv. Ok, on je peut collapse, la tuer, je collapse. Pense. Elle a pas l'ult. Pas le bon trade. Merde, j'ai raté le Q. Mais aveuglez-moi. Oh la vilaine, elle survit. Ah. Putain, je voulais la tuer passer niveau 6. J'étais un SS. Elle meurt pas. Il a pas d'ignite, tu vois. Ok, bon, j'ai juste tué l'autre pour dire deux. En train de prouter partout. Ah, il me tue anyway. Elle prend 3 plays vu que c'est Diana. C'est pas ouf. Et il meurt. Ouais. Quel perso de merde, premier degré. Quel perso de merde. Franchement, buff ce perso, c'est un crime contre l'humanité. Hein. Il a rush les Swiftness. Oh la petite merde originelle. Récupérer 2 kills là-dessus, c'est un peu triste. Va falloir faire avec. J'arrive mid. Je suis mort. Ah merde, celle que j'ai. Oh le shield! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Lequel le tien? Ouais. J'ai pas vu. Je peux dash les murs ou pas? Non. Oh vas-y, on avait un ici. Ah, il garde son blind pour que je puisse pas le turn. Oh. C'est choquant, Baron, le shield. Oh. 300 en early, c'est beaucoup trop fort. Y'a Shiv au vrai. En vrai, s'il fait de la merde avec un blind, j'ai peut-être une opportunité. Et là, il va sans doute juste partir. Y'a un monde dans lequel il a bougé mid, mais ça aurait vraiment aucun sens. En plus, il est low life.
J'ai hâte d'aller la tuer. Je peux la tuer. Enfin, je peux te la donner quoi. Elle a bientôt son item. Ça a été bien de fixe là. Ouais. Bon, après, m'agace Narcus, il lui tient toujours la lane. Elle est level 6. Avec deux stacks passifs. C'est free. Je pense qu'il va pas la push. Ok, j'ai rien dit, il la push de toutes ses forces. Ah ouais, attends, t'as pas le... Je peux l'air. Chier. GG. Putain, ouais, la portée du R. Ouais, je maxe le 1 deuxième. Ouais. Ah, j'aurais peut-être dû faire ma technologie rush bout du rouleau. J'avais fait ça contre un Timo l'autre jour et c'était bien. Bout du rouleau, premier item. En plus, il y a une Shyvana et un AP mid. J'aurais dû faire ça. Ah, mais quelle immense petite merde. Ah ouais, mais en fait, ok, ouais. Je vois pourquoi le perso il scale trop bien. Niveau 11 et 16, c'est abusé. Oui. Coup, t'as full pené, full healing. Mais je peux, vu que t'es obligé de faire un passage éclipse, je trouve que c'est pas trop un briseur en fait. C'est. Enfin, c'est un briseur, mais c'est plus Riven que. Ouais. Je sais pas. Ah, les petites merdes. Et c'est flash dessus en plus dans la panique. Ça c'est bien un joueur de Timo, il a une énorme trace dans son caleçon. Bon, je te jure, il est là, il est tout shaky, c'est chié dessus sur l'action, vraiment. Si elle vient, on peut faire. Cher dans 10. Tu peux l'attendre si tu veux, je vais lui mettre un. Ok, pour son lag. Ça touche pas ça. Allez hop, première tourelle, boum. Attends, on peut faire quelque chose de mal là. Oh oui, je le ressens. Oh, oui. Oh, il a plus de blind. Oh, il prend le slow. J'ai Diana. Ah. Stormax, mon frère, tu t'es chié dessus, non? En fait, il a arrêté de bouger. Je voulais pré-shot son déplacement, il a arrêté de bouger. C'est pas de chance. J'étais bien derrière quand même, mon frère. C'est des choses qui arrivent. Vas-y, je vais faire un bout du rouleau deuxième item. Hein. Ah ouais, y'a que du dégât magique dans leur équipe. Toute leur team tape en magique, littéralement toutes. Dans le meilleur des cas, ils ont des hybrides, ils ont Kog'Maw et Shyvana, mais c'est énormément de magique aussi. Ah, putain, elle me pète les couilles, elle genre suce un peu mon cul. Ah ouais. Elle a toutes les waves là. Qui ça, un ami? Non, non, la Shyvana. Ah. Y'a toi le bon. Regarde-le oh, là, avec sa petite démarche là, à sautiller. J'en peux plus de le voir sautiller. Allez, je reviens. Le voir se déplacer à 430 là. Et dès que je vais avoir une interaction avec lui, je me fais aveugler 3 secondes. Mais c'est pas okay, une exagération, son blind dure réellement 3 secondes, quelle honte. 10 secondes, il prend la sauce. Non, regarde-le, il revient. Je connais pas bien la portée du en fait. Oh. Oh, attends, j'ai un ils truc vont... là. Ils vont monter, Nami. Ok. Forcément, c'est moi qui l'aveugle. Ils sont tous personnes. Non mais premier degré c'est broken hein, je disais pas ça pour rigoler hein. Bah en gros je t'explique, il a 0 de CDR, il m'a aveuglé ma première phase de DPS, et quand j'ai plus le DPS à nouveau il m'a aveuglé. Putain de merde. Oh ce perso si tu joues pas Olaf tu peux pas le taper. Mon perso a que des auto-attaques. Encore toi ça va, t'as des sorts mais... T'as pas assez de dégâts? On raid? Ah, j'ai pas de dégâts. On peut jouer. Je tankais. Hein. Ouais, j'arrive. Elle est déjà out? Ils l'ont pas pris, je crois. Attends, mais où tu là pour de vrai? Il
Le blind était pas buff jusqu'à 5 secondes, j'ai souvenir. Wow, 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 mollo. Mollo. Mollo les 5 secondes de blind là. Non, c'est 3 secondes. Mais c'est doublé contre les mobs de la jungle. Ah ouais? Les mobs de la jungle, tu peux les aveugler 6 secondes. Ouais, ouais. Ah bah, ouais, ça m'a l'air fine. Hein. C'est pour ça que tu vois autant de Timo jungle, ils perdent pas de vie en jungle en fait. Sur les camps mono-cibles, le mob peut littéralement jamais le frapper. Et sur les camps multi-cibles, bah t'aveugles la cible qui est dangereuse, tu vois. Le boss du camp. Oh merde, quel con. Et bah les autres ils font pas assez de dégâts. Oh shit. Surtout avec la sustain intégrée en jungle. Je suis derrière, vous voulez? Pas de, moi, je suis pas de flash derrière. Que vous. Hein. On peut. J'ai rien, je peux pas. Pourquoi c'est le personnage? Je vais au bout des choses, je vais au bout des choses. Let's go. Quoi? Boum! Boum! Oh! De quoi là? Oh! En vrai, le problème de ces petits yordles de merde là, les Teemo, les Kennen et tout, c'est des persos indécemment chiants à affronter, mais assez simple à contrer dans le sens, si t'as un gros montant de ténacité, ça va, son kit il marche plus trop. Mais vu que la ténacité a été littéralement anéantie de partout dans le jeu, mais genre de partout. Ah bah TP top. Bah ça fait que Kennen et Teemo, ce genre de petite saloperie, c'est très chiant actuellement. Tu peux la one tap, hein, elle a rien de up là, ouais, Diana. Elle a pas l'air forte, en plus j'ai un bout du rouleau en deuxième item, elle ne fait pas de dégâts. Dommage, le slow il passe pas. Ah bah je crois qu'elle est pas déterminée à survivre. Hein. Lui il faut le kit. Je l'ai tué une fois et il joue plus. Classique joueur d'assassin mid. Parce qu'en vrai, Teemo, à l'époque où j'avais Legend Tenacity et une Finishing, c'était pas un counter de Trinda. Hein. T'avais tellement de tenacité de base que tu pouvais juste l'all-in et c'était pas du tout un counter. C'est trop chiant. Ça va, Starvax? Oh putain. Qu'est-ce qui se passe? Teemo, il est là. En fait, le problème, c'est que j'ai envie de le tabasser, mais. Il met des petites fléchettes et il court. Ah, il est agaçant, hein. Il est top. Oh les petits. Les petits fourbes. Je sais pas, j'arrive pas à gap close avec le champion. En vrai je vous dis qu'au Trinda contre Teemo ça peut être bien. Hein. Tu joues avec Ghost Cleans. No troll hein, Disco Trinda. En soi Ghost et Cleans c'est le top du top contre Teemo. Mais bon j'aime pas jouer sans flash. Et je peux pas jouer sans Ghost contre Teemo. Y'a le Drake. Je reste. Vas-y, je reste. Ouais. Ok les collègues. J'ai 2 items ennemis, je suis pas mal du tout là. Il y a déjà Teemo hein. Je vais jouer la T2 moi. Il m'a flashé ce crasseux là. Attends mais il se retourne même pas. R. Il s'est même pas retourné, il m'a mis la deuxième auto-attaque, il est confiant ce mec là. Je sais qu'il me voit. Mais il veut totalement un 1v1 avec moi, hein. Ça veut dire qu'il a les deux sorts d'invocateur. J'ai pas le gauche, donc si je touche pas le slow, il peut me kite.
Ok, je vais slow sa part. Mais pourquoi? Ils sont tiltés en vrai. Mais je sais pas pourquoi. Parce qu'ils peuvent gagner. Ouais, totalement. Bon, les joueurs d'ADK comme ça, les... qui font trop mal, les Vayne, Kog'Maw, etc. Il y a toujours un moment où ils se mettent en side et ils veulent à tout prix duel quelqu'un. Et ils s'en foutent si ça passe ou si ça passe pas, ils veulent juste duel quelqu'un. Je sais pas, il s'est fait tuer au mid, je crois. Il est mort une fois et classique, il court en side. C'était sûr ça. Bon, j'ai pu prendre la moitié de la T2. Allez, bot là, chivelle ma ult. Oui, c'était un pur ego fight de la part du Kog. Y'a tout le temps un moment où les AD carry font ça. Faut pas se questionner. Elle vient de respawn. Non, les gars, Yuntal sur Trinda. En vrai, peut-être que l'item va devenir méta et que ça va devenir un rush item, mais je sais pas. J'aime bien le stuff actuel de Trinda et je vois pas trop comment Yuntal peut rentrer dedans, même si l'item a l'air très fort sur le papier. Y'a un mec qui a pris la plante là, je peux TP. Parce que si je fais Yuntal sur Trinda, faut que... Oh! Elle fait que des TP random. Si je fais Yuntal sur Trinda, faut que je le rush. Je peux TP là? Et du coup, j'ai pas l'Hydra. Tiens, vile créature, ça dégage. On les aura pas. Secondes mon R. On peut siege hein. Putain, la taille du chien ça me choque. 450. Écoutez, je suis en train de me régaler en side. Ouais, ok, bon, le Kog. Il a plus trop envie. Ouais, bon, il a pris un skill shot. Est-ce que j'ai le temps de la finir? On finit. Hein. J'ai tout de up. Oh, je vais aller chercher mon petit duel contre la Diana. Allez, en avant. C'est le creep qui prend le cuspe. Ah, je pense qu'elle aura le temps de prendre la tour. Son perso, il suffit des tours. En vrai, Diana, c'est le mage qui prend le plus vite les tours du jeu. Ouais. Ouais, je pense. Oh, de loin. La stéroïde attack speed, le passif proc sur la tourelle et tout. Y'a Sylas qui est pas mal aussi, mais. Ouais, c'est incomparable, je trouve. Ah, non, Diana, c'est bien meilleur. Ouais, Diana, elle a même pas besoin de stuff. Diana, juste de base avec un anneau de Doran, tu l'oublies, elle t'explose ta tour. Un peu nage. Hein. Ok, ils ont pris une petite plante, ok, c'est pas le Timo. J'ai 28% de tenacité. Ah non, pardon, 32% de tenacité. Ils savent. Attends, comment ça j'ai 32% de tenacité, les gars? Je comprends pas. Ah, on a un dragon qui donne de la tenacité. Parce que normalement, j'ai 28 avec... Oh putain, va moi smite. Hein. Okay. En vrai, avec 32%. Ouais, non, vas-y, va te faire foutre. Oh, c'est bon, ce perso, là. Je sais très bien que je vais reprendre un blind au moment où je suis pas loin de le tuer. Oh. Je pense qu'on peut pas trop keep up. Non, faut que je vais empêcher break. Diana de prendre un bounty. Ok, Diana veut pas mourir. Elle ne veut plus mourir pour rien, Diana. Elle ne veut plus.
Oh, y'a pas de RM. Putain, sérieux, j'ai pas le temps. Ouais, je crois que. Y'a la moitié de leur équipe qui est mental boom, mais. Ouais, ça mais écoute, il faut faire des fourberies, faut pas sous-estimer. Genre là, si je joue Indiana, elle va pas être toute seule. Ouais, bah, voilà, Timo, je sais pas où il est. Y'a un ami qui vient. Timo en backup. Il a rien, je crois, lui. Mais y'a un ami à côté de lui. Sinon je vais me faire blind. Ok, faut que je ghost out. Putain, je pensais pas que j'allais faire range. Non, il m'a ignite. Oh, j'aurais dû courir vers Leona, elle avait l'Iron Solari. Elle aurait pu me sauver, my bad. J'ai trop accepté ma mort. Leona aurait pu me sauver si je courais vers elle. Et au pire, j'aurais pu flash vers elle. Oups. Putain de merde! Qu'est-ce qu'il y a, bro? Ah, mais il a 3 items en fait! Ah, il est dangereux, Yuntal Sakon! La gold value de l'item, je pense qu'elle est élevée. Une fois que tu l'as complété au niveau des crits là. Ah, je pensais pas même que je suis vite. Ok. Ouais, il me refait une game là, je sais pas convaincu celle-là. T'inquiète, c'est la toute première, on se chauffe. Qu'est-ce que je m'envoie? Oh, il y a tellement de dégâts magiques. J'ai envie de faire un Trindar révolutionnaire là. C'est quelle révolution de Trindar là, cette game? C'est le Trindar Rookern? Je suis sûr que c'est le Trindar Rookern. 4 items dont un rouleau plus un Rookern. Ouais, pas besoin de pénétration, ils ont pas d'armure. J'ai déjà les 100% de crit, j'ai le vol de vie, j'ai l'attaque speed, j'ai la mouvement speed. J'ai la tonacité. Faut s'envoyer un Rookern là. Oh oui. Ah, j'ai envie d'essayer d'avoir le Kog'Maw quand même. Non mais pourquoi dès que je veux faire un truc, il est là? Il est là! Regarde, là il va m'aveugler. Ah non. Oh! Oh la fripouille! Oh la fripouille! Oh la fripouille! Le Spike U, il fait plaisir. Oh! Tout sur l'Arcus, s'il vous plaît. Il va surrember ça. Là, là. Ok, il est par là. Faut intercepter l'Arcus. Je vais avoir un bout. Ok, j'ai un bout. Spirit avec Hydra, bah j'ai pensé à Spirit, mais Spirit, tu vois, c'est entre guillemets que 50 de Magic. Rookern, c'est un gros 80 pour autant d'HP. Tu peux me laisser de l'astide du bleu? Et en plus, t'as le shield qui va avec. Hey. Mercurial, y'a pas de vol de vie sur un Mercurial. Et c'est vrai que je pourrais faire un Mercurial aussi. Attends, faut que je relise cet item, je le vois tellement jamais. De toute façon, les items qui donnent des clins, c'est un peu un flop. Voilà, dis bien en bas. Ah mais les mecs comme ça me dégoûtent. Ils sont en train de se pointer pour défendre leur base, elle dit Ganywen. Un troll, ils sont malaisants. Ouais. Elle vient toutes les deux wave mid. Quoi son problème? Parce que attends, ça fait quoi déjà Cimeter? Ah, y a du vol de vie? What? Attends, mais l'item il a été ultra modifié? Ça fait depuis quand qu'il est comme ça, le Mercurial? What? Y a tellement personne qui achète l'item sur Terre que je savais même pas qu'il avait été autant modifié.
Et j'étais persuadé que le Mercurial c'était encore un item qui donnait du crit. Mais non, c'est AD, Magic Resist, Vol de Vie. Et la Cleanse qui te donne un boost de MS. Putain. GG. Ça se trouve, ça fait des années que c'est comme ça et je savais même pas.